Bonjour à tous, c'est Bibiflox, on se retrouve aujourd'hui sur les blocs programmables. Alors, pourquoi faire ce tuto sur ces blocs-là qui sont assez complexes? Eh bien, écoutez, je vais vous montrer les bases et comment importer des programmes. En fait, je vais pas vous apprendre à crypter parce que j'y connais vraiment rien du tout, mais je vais vous montrer qu'on peut faire des trucs plutôt fun. Donc, comment ça marche techniquement? Alors, souvent, il faut deux blocs, donc le bloc programmable et le timer block. Alors pourquoi? Le timer block, en fait, ça nous permet de faire des actions sur notre base. Donc en fait, on met le bloc programmable en exécuté, donc ça va lancer le script, par exemple allumer une lumière. Donc lui, il va nous dire d'allumer la lumière. Alors ça, par contre, c'est une mauvaise, c'est un mauvais exemple. Alors attendez, on va partir de 0. Donc par exemple, je vais dire, donc quand le bloc va s'activer, je veux qu'il lance le script pour allumer la lumière. Donc je mets le script, je mets exécuter. Donc dès que ça va arriver, en fait, dès que je vais l'activer, ça va lancer ça. Et si par exemple je veux que ça se répète, par exemple allumer une lumière ou l'éteindre, enfin ça c'est un mauvais exemple, par exemple une sirène, si je veux que la sirène se répète à nouveau, donc là on a exécuté, donc la sirène s'allume et s'arrête, et j'ai juste à rajouter le bloc timer, et je refais démarrer. En gros, la sirène va se lancer, ça va arriver là, tac, ça va relancer, ainsi de suite. Donc ça fait un peu un looping si vous préférez. Là, on peut avoir le délai, donc par exemple 1 heure. Donc c'est-à-dire toutes les heures, en fait, l'alarme va s'allumer. Bon, je trouve que c'est complètement débile, mais bon, on peut faire plein de trucs. Donc par exemple, toutes les 1 seconde, je veux que l'alarme s'allume. Donc quand je vais démarrer, vous allez voir que hop, ça revient à 0 à chaque fois. Maintenant qu'on a notre système de looping. Bon, ça c'est pas obligé, hein. Je vais importer un bloc. Donc normalement quand on commence c'est tout vide et on peut parcourir le workshop. Donc ça c'est un truc que je savais pas du tout. Et en fait en parcourant le workshop on peut avoir des scripts pré-écrits en fait et c'est ça qui va nous aider. Donc on peut par exemple autopilote, donc ce qui permet de piloter notre vaisseau automatiquement, donc l'amener à un point. Après c'est à vous de chercher, hein. J'ai vraiment pas tout fait, j'ai regardé 2-3 trucs et c'est franchement énorme. Je vais vous en montrer un qui est plutôt pas mal. Par exemple le Raffinery Manager, etc. Moi j'ai importé le changement de couleur, donc c'est le Disco Disco. Donc vous voyez que je fais parcourir le workshop, Disco Disco, ok, hop, ça me le met automatiquement. Donc, enregistrer, quitter, et quand j'active les lumières, hop, vous allez voir que les lumières vont changer de couleur toutes seules. Donc voilà pour les bases des scripts, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais vous montrer par exemple un exemple qui peut être vraiment énorme. Donc imaginez que vous êtes dans la situation suivante. Vous avez un petit vaisseau de merde et un gars avec un gros cargo vous menace de mort ou joue le malin, etc. Alors, le but du jeu en fait, c'est d'essayer de rentrer dans le vaisseau sans qu'il s'en aperçoive. Bon, là vu qu'il n'y a personne techniquement, j'ai pas trop de mal. Hop, une fois que vous êtes rentré dans le vaisseau, vous descendez. Et là, il suffit d'installer quelque part, donc faites un endroit sécurisé où il ne vous voit pas, pour construire votre bloc programmable. Hop, une fois que vous l'avez construit, donc regardez, par exemple, je vais vous mettre un exemple tout con, par exemple. Il y a des sunblocks, je ne savais même pas. J'ai juste désactivé les tourelles en fait. Hop, regarde. NPC. Voilà, donc là, je suis rentré dans un vaisseau ennemi. Donc, je vais vous montrer l'exemple de base. Par exemple, là, je peux pas fermer, ouvrir la porte. Accès refusé. Donc, ah mais merde, du coup, le bloc, il va être en mode ennemi aussi. Fail. Alors, voilà, donc je suis rentré dans le vaisseau ennemi. Je pose mon bloc programmable. Et là, par exemple, je fais modifier. Et par exemple, on peut trouver des virus. Donc moi, j'ai le Ubervirus que je trouve tout simplement énorme. Donc paf, le virus est lancé. Hop. Et s'il continue à faire le chou, faites exécuter. Et là, ça pirate totalement son vaisseau. Donc en fait, ça le désactive complètement. Et là, il peut vraiment plus rien faire. C'est un truc tout con, mais regardez. Hop. Donc il a plus d'énergie, il a plus de réacteur, il a plus rien. Et ce que je trouve énorme, en fait, c'est qu'on peut faire aussi sur les petits vaisseaux. Donc celui-là, je vais le supprimer.
Je vais vous montrer ce que ça fait en fait. Si vous êtes dans le vaisseau, si vous êtes ciblé. Si vous êtes ciblé d'une attaque. Alors regardez. Donc, hop, je mets ça. Donc je vais rentrer dans le vaisseau. Bon, je ne connais pas du tout le vaisseau, hein. C'est un vaisseau que j'ai pris aléatoirement sur le workshop. Je voulais un gros vaisseau pour vous montrer. C'est toujours plus impressionnant de d'éclater un gros vaisseau en un clic, quoi. Mais j'imagine en PVP, ça doit être énorme. Le gars, il est dans son vaisseau. Paf, lui, il est désactivé et tout, il comprend rien du tout. Alors, hop, je vais monter. Je sais que la station de contrôle est là. Non, même pas. On peut encore monter? Ah, voilà, on peut encore monter. Il est pas mal ce vaisseau aussi, il est assez grand. Ah là, on est dans la station de contrôle. Alors là, vas-y, là, on est kéké. Donc je vais désactiver les tourelles comme j'ai fait tout à l'heure pour éviter que ça désactive la base. Hop, donc voilà. Donc c'est moi le kéké. Hop. Donc vous rentrez dans mon vaisseau, vous m'incorporez le virus. Je vais mettre le virus, enregistrer le code. Je vais mettre le virus dans le workshop, hein, si vous le voulez. Je sens que pas mal de joueurs vont m'en vouloir, c'est pas grave. Donc, exécuter. Donc, voilà, par exemple, je suis dans mon vaisseau. Hop, je l'arrête. Et là, vous lancez le virus. Pouf! Donc là, mon virus s'arrête. Enfin, mon vaisseau s'arrête totalement. Si je veux voir ce qui se passe, je vais dans le panneau de contrôle et là je peux voir que virus detected. Donc là je fais c'est quoi ce bordel? Donc déjà ça m'a niqué tous mes trucs. Donc j'essaie de le rallumer, il n'y a rien à faire. Donc là le seul moyen de relancer mon truc, c'est de prendre tous les blocs et de faire on. Je sais même pas si ça marche en fait. Oh là ce bordel! Donc j'aurais pas dû faire ça, je me suis fait avoir. Ah, ah c'est vraiment horrible ce truc, c'est horrible. Donc alors ça, bien les laisser en off. Donc, par exemple, on voit que c'est activé la tâche, ça s'active. Alors en fait ça fait plusieurs trucs à chaque fois. Hop, afficher la TH. Voilà. Donc là, je les ai relancés normalement. Bon, là, ça se voit pas trop sur un gros vaisseau en fait. Je vais plutôt le montrer sur un petit. Mais bon, vous voyez un peu l'exemple du bordel que ça fait quoi. Donc une fois que le virus est lancé, en fait, ça bloque le script pour éviter de le relancer. Mais en fait, ça fait plusieurs trucs, par exemple. Donc celui-là, on va le supprimer. Donc je vais vous montrer sur un petit vaisseau ce que ça donne. Ouais, tac 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 tac. Petit vaisseau. Bibi. Parcours shop. Hubervirus. Merde. Bien virus, ok, enregistré. Donc là pareil. Tac tac tac, programmable, exécuté. Boum! Mon vaisseau vient de se couper complètement, donc je le rallume. Donc je vois que je peux plus rien bouger. Contrôle, virus. Alors là ça m'a tout bloqué, pareil. Et tac tac. Propulseur, si je le rallume, non, ça marche pas. J'aime bien parce que j'essaye j'essaye de réparer mon vaisseau. Donc voyez un peu le bordel que ça fait quoi. Voilà, donc là c'est donc vous voyez ça désactive même les propulseurs sur le cockpit, etc.
Oui, donc là mes propulseurs sont allumés, mais en fait ça continue, c'est trop le bordel. Et moi ce qui m'est arrivé en fait c'est que enfin vu que c'est aléatoire, le gyroscope il s'est allumé, et du coup mon vaisseau il tourne en rond. Alors par contre je crois que c'était un autre virus, si je dis pas de bêtises. Bon lui il est parti, il se balade hein. Modifier. Est-ce que c'était un autre virus? Alors Uber virus, antivirus, Joker virus, chip virus. Tiens, on va suivre celui-là. Enregistrer, quitter, exécuter. Donc lui, c'est pareil apparemment, sauf qu'il est beaucoup plus safe. Ah non. Bah lui, c'est le même en fait apparemment. C'est le même. Ok, on va essayer un autre. Ce tuto est un peu long, mais je trouve ça tellement fun en fait. Exécuter. Alors lui, par contre, je crois qu'il est bugué. Ouais, celui-là, il fait rien du tout. Ah. Ok, le script qui est une erreur. Erreur. Ok, donc le script est une erreur. Bon, par exemple, si vous faites par exemple non, ça c'est con. Bref, enfin voilà quoi, c'était juste pour vous montrer ça. Je trouve ça vraiment énorme perso, pour bien faire chier les joueurs, surtout quand c'est pas notre base. Donc ça marche aussi sur les stations, ça marche vraiment sur tout quoi. Donc n'hésitez pas à tourner un peu dans le workshop. Si vous trouvez des trucs sympas, mettez-le en commentaire, je serais vraiment ravi de connaître les trucs assez cheatés. Ou alors peut-être que je me tâter à ouvrir un forum perso en fait pour parler par exemple bah, des scripts, des machins comme ça, des aides. Mais voilà, je pense que c'était une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à tous, à bientôt et à la prochaine pour le prochain tuto. Salut tout le monde!